Allez, salut à tous, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, on va continuer donc le jeu Ghostbusters The Video Game. On avait bien avancé la dernière fois, je sais vraiment pas où on en était. Mais on a... Voilà, donc... Hop. Ah, en plus, on était en expérimenté, attention. Je crois que c'est le bon moyen du jeu. Mais ouais, on avait bien avancé, c'était une belle surprise. Et très très surpris de la maniabilité, du jeu en lui-même en fait. Un jeu assez générique dans le fond, mais très proche de ce que sont les deux films. Donc apparemment, il y a le jeu écrit par Dan Aykroyd. Donc ça, ça rajoute un plus. Ça a l'air d'être une suite directe du 2. Donc ça, c'est génial aussi. Voilà, alors ça, c'est un clin d'œil que je voulais montrer. Parce que quand on regarde tous les employés du mois, en fait, on voit que Bill Murray. C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout. Je l'avais pas vu, en fait, la première fois que j'ai joué, mais je l'ai vu sur le retour stream après, quoi. Je dis, ah merde, putain. Il y a plein de détails comme ça à voir. Faut prendre le temps, en fait, de vraiment voir le QG des Ghostbusters. Je pense qu'il y a toujours des choses à découvrir. Winston! Oh putain, je casse tout. Ah putain, le chapeau. So you know so much about Gozer because... Because I'm a specialist in ancient Mesopotamian cultures and architecture. Sumerian primarily. Gozerian more specifically. I'm here as a guest curator for the Gozerian exhibit that's opening tomorrow at the Natural History Museum. You are aware that we also have some history with Gozer. Yes, of course. Gozer was a bush leaguer before he met us. A strictly farm team deity. We put him on C'est nous qui l'avons lancé. But our getting stiffed on invites to opening night, just an oversight, right? I don't have anything to do with that. That gentleman was all me. Oh, putain, lui aussi, quoi. It was not an oversight. Oh, by the way, you have visitors. Lui aussi, c'est un Thanks, personnage du 1, je crois. Your first class lookout. Walter Peck. I did not recognize you without the mayor's backside against your nose. Okay, everybody put them back in their skivvies. Apologies. Dr. Selwyn, are you all right? I think so, but I'm worried about the exhibit. Are you kidding? You can't buy publicity like this. The guest curator of the Gozer exhibit, the expert Peck recommended, is attacked the night before the opening by Gozer himself. Please tell me that was Gozer. Gozer manifested in a familiar form, one he had used before, the Stay Puft Marshmallow Man, but this event was weaker than his first encounter with us. Ha! That's all I need! Thanks! Come on, Jock. What's the idea of bringing Peck around here? Oh, have I coughed at the wrong time? Listen, here's the deal. You and Peck and all you guys are going to work together. What? No way, no how. Impossible. Look. This city has given you at least a dozen contracts for the jails, courthouses, and wharves. You guys want to grow your business. Get some county and state work, too. I'm all for it. You've been big supporters and great for my campaign. Well, some have said our endorsement is what got you elected. But not out loud. Anyway, after all the damage you've been causing lately, the city council wants you under close supervision for a period of no less than 6 months. We file reports on time. There's no need for extra supervision. Funny guy, Venkman. You've always been my favorite. Well, that's where your old friend Peck comes in. He's annoying, a stickler for the rules. In other words, the perfect Peck for the job. He's our new head of Peacock. Peacock? PCOC, Paranormal Contracts Oversight Commission. And my first official act is going to be suspending you clowns' operating license. Lighten up, Peck. Launch your investigation if you have to, but for now, just keep them under control and my office in the loop. But remember, if the Ghostbusters cease to exist, Bonjour, Galgouillon. So does your job. So you need each other. Beautiful in an ironic, symmetrical kind of way, isn't it? Hey, Mulligan, come on. It's Mayor Mulligan to you, Venkman. So, we have an understanding? This kind of protects us all. You want more government business, I want to keep my approval rating, and Peck wants his little fiefdom. You play by the rules. Easy. We all get what we want, and the city council gets what they need. Okay, big night tomorrow, Alyssa. Get some rest. So, now that we're all friends, can we get invites to the museum opening? Not likely.
but I'll be seeing you soon. You can count on that. Attends, il est détestable au possible, ce personnage, quoi. C'est juste affreux. Il est aussi chiant que dans le premier film, quoi. Look exactly like the kind of guy who'd accidentally walk into the stream of a bosun glider. I'm just saying, it could happen. What do you want? We can schedule a visit, next Thursday, sometime between 8 a.m. and 4 p.m. Bon allez, je suis prêt à partir. À moins que je puisse vérifier autre chose. Oh, le pauvre Bouffetou, il est enfermé du coup. Le pauvre. Salut Pute, comment tu vas? Oh, it won't be necessary. Ça va, t'es réveillé tranquille? Bon petit week-end qui s'amorce? I see the evil. That'll be fine. To come. The whole juice. All of them. Allez, c'est parti. On part en mission, quoi. On part casser du fantôme, quoi. And we think we should have a look at the museum. Whatever happened tonight, it started there. Et on va mettre le musée à sac, quoi. The team. Stay with Elisa. You guys go with Winston and the recruit. I'll be your personal. Oh, merci pour le follow, c'est très gentil. Merci à toi. What he doesn't know can't hurt us. Ghostbuster. Hey guys, you need to make a detour. Something big is going down. It's on 1010 Wind now. Tune it in. Ça va chier, quoi. Another ghostly sighting has staff at the New York Public Library scrambling. Trop bien, on va à la bibliothèque. Let's get her for real. La dame grise, comme dans le premier film. Trop bien. Ouais. On s'en fout du musée, on va à la bibliothèque, bordel de merde. Trop bien. Franchement, depuis que j'ai commencé ce jeu, j'ai l'impression d'être un gamin de 4 ans, quoi. C'est hallucinant, quoi. En plus, je les ai revus il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Je suis comme un gamin, quoi. Ah, c'est pas le week-end encore pour moi, malheureusement. Merde, tu travailles. Dommage. Dommage. J'espère que tu fais pas un travail trop contraignant, quoi. C'est entre ceux qui travaillent dans les grandes surfaces et ceux qui travaillent dans les hôpitaux et tout. Putain, je leur souhaite bien du courage. Chaud. Oh, exactement le même plan que le film, quoi. Le même plan de caméra qui descend sur le lion comme ça, quoi. Boah, putain, c'est rempli de clins d'œil, quoi, c'est terrible. Captain McMahon from the 12th says there was a massive disturbance. Real fireworks show. Not much going on now. Maybe. But didn't there used to be two lines out here? Check for valences. Je bosse au McDo, perso, je trouve ça contraignant, mais bon. Ah bah écoute, il faut ce qu'il faut, hein. Il faut ce qu'il faut, en tout cas, entre-temps, vous marchez bien et vous pouvez travailler en ce moment. C'est, ça déjà, c'est bien, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas travailler en ce moment. Bonjour, public aimé, je vous aime. Donc ouais, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, quoi. Putain, je me suis chié dessus. C'est parti. Ah, pareil, les pigeons qui s'envolent et tout. Mon dieu, c'est rempli de clins d'œil au premier, quoi. Et c'est ta pause, là? Ou tu es en train de faire des burgers pendant que tu m'écris, quoi. Putain, mais si c'est vraiment le musée, il est beau, quoi. On va chercher des fantômes. Attends, pour une fois que je peux rentrer gratuit à l'œil dans un musée comme ça. Putain, les gars, calmez-vous, quoi. Sorry, Z. How about a little warning next time, fellas? That one's a beast, Ray. Let's chase him down. Winston, check that next doorway, see if he has any friends. Leave a haunted room. I got no problem with that. Hey, cadet. To use the shock blaster, it's best to get in fairly close. Its effects are powerful, but dissipate quickly over distance. And please be careful. It's a prototype. We're trusting you with it. The stasis stream will temporarily slow down paranormal entities. Non, je travaille que ce soir aujourd'hui, mais bon, pour te dire, en vrai, je pourrais regarder tes streams, pardon, tellement je me fais chier. Ah, mais tu m'étonnes. Effluve stase. A stasis stream. This has nothing to do with cold, but the effect is similar. When do you have the time to work on all this? D'accord, ok.
I've been conducting an experiment in which I sleep an average 14 minutes a day. Leaves me a lot of time to work. Great. Ready to roll. Hey, Haas, you think you can handle that little fella yourself? We'll meet you back here. Ok, bon, attends, je vais essayer de trouver le fantôme. Ça devrait le faire. Ah, j'ai quelque chose, j'ai une piste. Je brûle. Ah, de l'ectoplasme. Je suis proche. Je l'entends en plus. Ah, il est là! Il est parti par là. À mon avis, il faut que je trouve le deuxième. Et en fait, tu t'occupes de quoi là-bas? Ils te font tourner sur les différents boulots, c'est ça? J'avais un truc, maintenant j'ai plus rien. Je vais essayer de remonter pour voir. J'ai pas eu trop de mal à passer le bibendum chamallow. Alors le bibendum, pas du tout. Ça s'est super bien passé. Par contre, la scène juste avant, là, avec les fantômes vikings, là, oh, ça a été chiant, quoi. À chaque fois, je crevais parce que mes deux acolytes, ils tombaient par terre. Donc ouais, c'était pas évident, quoi. Effectivement. Mais non, toute la scène du Bibendum Chamallow, j'ai bien kiffé, quoi. Et puis comme je disais il y a 5 minutes, quoi, j'ai l'impression d'être un gamin devant le jeu, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il y a tellement plein de clins d'œil, de belles manières d'avoir fait le jeu, que je suis là. Oh. Et pourtant, c'est un jeu générique, je veux dire, c'est très couloir et... Alors principalement sur la prise de commande en ce moment vu que je suis la plus rapide. D'accord, ok. C'est bien ça. C'est bien. Au moins t'es tranquille, quoi. T'as juste à prendre les commandes et... Mais bon, faut de la bonne écoute, n'empêche pour ça, quoi. Oh, putain, c'est vraiment pareil que dans le film, quoi. Strong emanations, no direct source though. We followed our guy in here. He gave us the slip. Eh ouais, tu m'étonnes, moi aussi. En plus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, le jeu a été écrit par Dan Aykroyd aussi. Donc c'est, pour moi, c'est vraiment une suite directe, quoi. C'est... Oh, oh putain, la folie. Faut que je mette... Ouais, voilà. Non mais franchement j'aime bien, le jeu a de la gueule, quoi. Il a de la gueule, le coup d'avoir ta vie qui est affichée sur le pack, avec le fait que de temps en temps il faut un peu comment ça s'appelle, j'allais dire le faire déchauffer, quoi, le faire refroidir, quoi. Il y a... non c'est pas mal du tout, les dialogues sont assez bons, il y a un humour qui est présent, enfin c'est un vrai Ghostbuster, quoi. Ils ont fait vraiment quelque chose de très beau, de très bien. Et en plus, du coup, c'est la version remastered. Donc, je sais pas si toi aussi tu as fait en version remastered. J'ai pas connu l'ancienne version, quoi. Là, il était gratuit sur Epic. J'ai dit, oh putain, génial, quoi. C'est moi qui voulais l'acheter, quoi. Ah, bah du coup, je pourrais pas le récupérer. Ah, c'était censé être le troisième film, d'accord, ok. Ouais, et du coup, il l'a mis en jeu vidéo, c'est ça? Parce que ça se ressent, hein. Ça se ressent à mort, je veux dire, c'est rempli de clins d'œil aux deux autres épisodes. Ah, la dame grise! Look, there she is! Meet us at the stairway door. Ah, merci. Ah, on descend en bas dans la petite bibliothèque.
Ah, les livres qui tombent. Manifestation fantomatique. Ah. Putain, génial, quoi. C'est terrible parce qu'en fait, quand. Wow, putain. Excellent. I'd say we're close to something. Ray. C'est génial parce que, en fait, quand tu connais les films, t'as l'impression de passer de l'autre côté de la barrière, quoi, en fait, vraiment de l'autre côté du miroir. Tu te dis, ah putain, c'est génial, je rentre dans les endroits où ils sont allés. Eh ouais, le premier fantôme, la dame grise, quoi, dans la bibliothèque, la vieille dégueulasse. Wow. Let's go. We'll cut her off. These readings are off the charts. Now I'll have to make the charts. Oof. Wow. Now listen. This place is reading like a psychic pressure cooker. Try your thrower. Everybody stick close together. Here. Quick. Ouch. What was that? Putain, elle est vénère. Elle est vénère. Allez. So much for stick together. New plan is fan out. Flexible approach, Ray. Je peux rien soulever en plus. Oh! Bon, ça c'est fait. Je suis pris une bibliothèque dans la gueule. Ah! Putain, j'ai fait des dégâts déjà. Ce que j'aimais bien dans le jeu, c'était qu'on pouvait lire la biographie des fantômes, c'était super intéressant. Ah, j'ai pas tout regardé, je t'avouerai. Effectivement, ouais. Ah ben voilà, fantôme de la bibliothèque, entité semi-ancrée de classe 4. Ah ouais, quand même. Attaque distance, apparition, faiblesse, courant de proton, intermédiaire, résistance faible, invocation, livre, chauve-souris. Ah, docteur Eleanor Twitty, t'es la bibliothécaire en chef de la bibliothèque de New York, la conservatrice de sa collection d'oriques. Ah, mais tu vois, tu fais bien de me le dire. C'est vrai que j'avais vu les descriptions au début, mais là, pour le coup, c'est intéressant de le savoir, parce que c'est le premier fantôme qu'on voit dans le film. En mars 1924, elle fut portée disparue. On l'a retrouvée allant jusqu'à fouiller chaque recoin du sous-sol de la bibliothèque. La dernière fois, on la retrouvera jamais en vie. D'accord, pas mal. Ah, je sais pas si... Fantôme à piéger. Ces animateurs n'ont jamais été humains, ce sont des entités ectoplasmiques arrivées dans notre monde via une faille interdimensionnelle. Personnification de la paresse. Ok. Guys, I'm in the periodical archives looking at a stack of old newspaper clips all about some. Hop, je l'ai vu passer. Wow. Ah, je peux pas passer. J'ai peur de me retourner. T'as quand même la pression, hein, quand t'avances comme ça au milieu des livres, avec ton appareil, plus la petite musique derrière. Ça doit faire mal la bibliothèque dans la gueule comme ça là. Ah. Piou. Ah putain, elle a tout bien rangé. Ah ouais, non, c'est clair, c'est ça qui est bon, quoi. Pousse-toi le livre. Oh. Boum. Ok, je viens de me faire agresser par une pile de livres, quoi. Tout va bien. La musique derrière, tu sais, un peu film années 50 de monstres qui t'attaquent, quoi. Ça aussi, c'est génial, quoi.
Ah ouais, même les petits artefacts. Tu m'étonnes. Non, mais tout est bien pensé, hein. C'est un très bon jeu. Comme j'ai dit la dernière fois, par contre, moi ce que j'aurais aimé, c'est peut-être un jeu un petit peu plus ouvert. Où tu as des missions secondaires, où tu peux prendre la voiture et aller d'un point A à un point B dans la ville. Et ça aurait été génial voir les gens courir dans la rue quand il y a un fantôme qui sort d'un bâtiment ou quoi. Ça aurait été terrible. C'est une sorte de petit open world avec des missions aléatoires et qui se répètent des fois. Hop 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 hop. Il y a des livres partout là. Attends, il faut que j'aille l'aider parce que... Là, j'arrive. Voilà. Aïe. Voilà, c'est fait. J'avoue, ça aurait été incroyable. Qui sait, peut-être qu'il en aura droit un jour. Bref, peut-être. Peut-être parce que normalement, il doit avoir un prochain film Ghostbusters. Donc avec toute l'équipe, majoritairement. Donc je... On verra. On verra si effectivement... on y a droit. Oh, j'ai pris une gifle là. Une gifle de bonhomme. On avait le temps avant de lancer le piège. Hein. Allez, relève-toi. Ah putain, il y a les deux. Il y a carrément les deux. Oh. Je sais pas si c'est fait piéger. Non. Oh, ben, j'ai même pas vu qu'il était... j'ai même pas vu qu'il était au sol, Dan Aykroyd. C'est ça le problème, c'est que t'es tellement dans l'action des fois que tu captes pas quand il tombe par terre ou quoi. Okay guys, it's dead up here. The good kind of me. You're cool. We may need to get back to you on that. Allez, fais péter. Hey kid, what's your 20? I'm in some kind of a dark tunnel moving fast towards a bright light. Ouf, last one swarmers. Pesky but combustible. Wow. Ah, le jeu il veut pas que je joue quoi. Là c'est mort quoi. Le jeu il a dit non, c'est mort. Allez. Chut. On s'est fait démonter en 2-2 quoi. J'ai pas un peu des améliorations à mettre. Attends, fais voir. Je sais pas où c'est. Concentration du rayon 12 000 11 000 12 000. Wow. Putain, que des trucs qui coûtent trop cher quoi. Bah c'est dur, tu dois garder un oeil sur le fantôme tu chasses, faire gaffe à pas te faire toucher, en plus tu dois surveiller tes coéquipiers. Ouais, c'est ça, c'est pas easy hein. Je vais rester à côté de lui parce que en plus si je lui tire dessus, ça va pas le faire. Salut Matt, tu vas bien mec? Bien dormi, bien reposé. Alors tu as vu comment on a été puissant sur Phasmophobia hier soir? Ça a été la merde quoi après quand il est parti. Je m'attendais pas à le voir popper devant moi dans le salon quoi. Attends, je vais pas poser mon piège maintenant. Quoique. Et hop. Putain, j'ai tellement hâte leur prochaine mise à jour quoi. Ça va être la folie quoi. Allez. On le piège. Oh. Merci. C'est gentil.
Ah voilà, ça par contre c'est bien. C'est bien, on en gèle un. Attends, parce que... Ouais, je vais le geler. Au moins comme ça il pourra rien faire contre nous. Le temps que, qu'on s'en occupe quoi. Voilà. Putain, c'est pas easy hein. Putain, il faut que j'aille aider mon pote. Faut que j'aille l'aider, j'arrive. Allez, viens ici. Wouah, c'est tellement dur, quoi. Allez. C'est jouable. Eden. Non, il n'y a pas de mode coop sur, sur ce jeu, malheureusement, quoi. C'est vraiment un des trucs que je regrette, quoi. C'est qu'ils aient pas pensé à ça. C'est, moi aussi, c'était... je l'aurais voulu comme, comme achat pour ça, là. Mais non, malheureusement, pas de coop. Franchement, ça aurait tellement pété un mode coop pour ça, quoi. Allez, on le chope. Attends, j'essaie de l'attraper. Je sais que Dan Aykroyd est au sol. Vous inquiétez pas. Voilà. Non, tu restes là. À moi. Good work. That took some doing. Non, tu as un autre jeu Ghostbuster vu du dessus, en sorte de shooter qui lui par contre est coop, mais ça n'a rien à voir quoi, c'est vraiment du shooter vu du dessus à 4, où chacun a sa couleur, tu vois. Je crois que c'était sorti sur le Xbox Live Arcade à l'époque, et sûrement sur PC aussi, à voir. Mais le plus intéressant... Putain, ça me faisait serrer quand j'étais gosse, ça, les tiroirs qui s'ouvraient avec l'ectoplasme qui coulait, quoi. C'était génial, quoi. Oula. Okay. Salut, ça va, Christopher? Comment on va, mec? Number 9. Alors, ton logo, il te plaît? C'est du beau boulot de graphiste. Ouais, je me fais attaquer par des piles de livres démoniaques, quoi. C'est pas la classe. Dégage. Bah ouais, tu m'étonnes. Oh, j'ai pris cher. Pfiou, merci. Je t'en ferai un, Matt, toi aussi, de logo. Ou alors, en fait, il faudrait que je vous fasse tous le même logo, mais à chaque fois qu'il change, en fait. Tu vois, de manière à ce que, genre, vous ayez un logo qui fasse partie de la communauté, tu vois. Par contre, ce que je reproche au jeu, c'est que il suffit que tu fasses une attaque, quoi, et ton magin, il est déjà en surchauffe, quoi. C'est un peu ce que je regrette. Boum. Wow. Attends, je vais voir. Apparemment, acheter une amélioration, je vois écrit. Amplificateur. Ah voilà, réduction de chaleur des fufs. Ah non, de stase. À 12 000, 10 000. Ah, je vais attendre parce que ça, il me le faut, quoi. Tchou, level 3, GG. Ah ouais, t'as eu un lag. Moi, j'ai pas de perte d'image, en tout cas, là.
J'ai pas de paire d'images et j'ai regardé hier soir. Apparemment, ça sort en 720p sur Twitch, quoi. Donc en fait, ça sert à rien que je stream en 1080. Je sais pas comment font les mecs pour streamer en 1080. Ils doivent pas passer par Twitch directement, je sais pas. Bizarre, quoi. Ou alors ils doivent enregistrer à côté leur diffusion pour pouvoir ensuite la mettre en 1080 sur YouTube, je suppose. Je suppose. Avec leur bite. Sûrement ça, quoi. Ah, j'entends des choses bouger. Ouh, la table. Elle est là. I missed that raid. Please repeat. Enough with the shushing. Well, at least we're getting closer. Could not hear a word of that, Ray. Merde, j'ai envoyé mon piège et tout. Mamie, c'est toi. Alors non, tu serais... Alors toi aussi, tu vas prendre quelque chose ce matin. Le fantôme de la bibliothécaire, il faut savoir que elle s'appelle Eleanor Twitty. Donc c'était la bibliothécaire en chef de la bibliothèque de New York et la conservatrice de sa collection de reliques anciennes. Tu vois, tablette de pierre et parchemin t'es dit du bien. 1924, docteur Twitty fut porté disparu. Tu vois, la police de New York tente vainement de la retrouver, tatati tatata. Tu vois, ça tu le sais pas dans le film. Voilà. Tu le sais pas et là tu vois, c'est expliqué. Et comme nous disait Mamie Nova, comme nous disait Pewt, effectivement c'est... C'était censé être le 3, hein. Dan Aykroyd l'a bien écrit et compagnie, hein. Oh, t'en as fait carnage dans la bibliothèque encore. Ah ! Elle est là ! Putain, là, c'est l'ivre démoniaque qui attaque, là. C'est chaud, ça. Et en plus, ils font grave mal, quoi. Oh, la musique énorme. Boom. J'arrive Ray. J'arrive Ray Skywalker. Ah, c'est peut-être comme ça. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. C'est pour faire un clin d'œil à Ghostbusters, quoi. Gives you the creeps, huh? Okay, good job. Oh, putain, on a défoncé la bibliothèque, quoi. Eh oui, bah oui, tu m'étonnes. Je m'appellerai Ray. Ray comment? Ray Skywalker. Ah là là là, là 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 là. Ah non, putain. Winston. Oh, mais comme j'ai pleuré au cinéma, je te jure, j'ai chialé à la fin, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, putain. S'il vous plaît, pas ça, putain. Ah ouais, il n'y a plus d'archives là, c'est fini. Ah, le collectionneur utilise la thème grise. Get this, the Gozerian Codex. Great. Yeah, and when she found out what he was up to, she dumped him. Smart lady. Et du coup, il l'a tué, c'est ça? Eh ouais. He murdered her for. Uh-oh. The Grey Lady was his first victim, but he killed a bunch more. And let me guess, he collected their bodies just like he collected books. Bingo, Ray, you get to buy me dinner. And here's the last on the collector. Seconds before he was hanged, he said he would return as Azathlor, some sort of god, to keep watch over the library and every rare book in its collection. Sounds like quite the bookworm. Sounds like the kind we run into all the time. Bond, Ray Bond. C'est dommage parce qu'elle est sacrément jolie, Désirée de Lait en plus. Et franchement, si le film avait été bien écrit, même Adam Driver, c'est deux acteurs jeunes. Qui aurait pu être très très bon pour cette nouvelle trilogie, mais elle a été écrite avec les pieds, quoi. Ah, les enfants, tout ce que j'aime. Mon dieu, non, pas des enfants fantômes. S'il vous plaît, pas ça. Ah, attends, je vais boire un coup.
Ah. That's a bad sign, but it sure isn't a good one. Jeez! That'll only hurt for a minute. À boire, à boire. Attends, je vais boire après, promis. Vas-y, attends, je bois un coup. Putain, ça y est, tout le monde me dit à boire, à boire. Attends, j'arrive, j'arrive. Voilà. Hop. Voilà, deux gorgées. Une pour chacun, quoi. Au moins, c'est fait, quoi. Ah, merci les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner le droit de boire sur mon propre stream. C'est très gentil, quoi. Alors, je savais pas, mais il faut que je valide les demandes en santé mentale. Ah ouais? Je sais pas comment ça se passe, en fait. J'ai mis en place le système, mais... Alors, réduction du recul, concentration du rayon... Y a pas... Moi, je voulais une réduction de chaleur, en fait, quoi. J'ai l'impression qu'il y a pas. Putain, ça fait chier. Chier, hein. Ouais. Putain, je suis complètement dépassé, mec. Putain, y a pas. Un truc de fou. Bon, c'est pas grave, écoute. Ça sera donc ça. Voilà. Cling. Ah, en tant que modo, je dois le faire. Ah, j'ai pas fait gaffe, comme il s'est fait jecter. J'ai pas fait attention. Voilà, validé. Oula. You hear that? Bonjour. It's around here someplace. Je m'appelle Gus. je viens en ami. Je ne vous veux aucun mal. Si vous êtes là, vous pouvez me faire un signe. Je suis là juste pour vous prendre en photo. Oh mon dieu, j'aime pas les enfants, fantômes. Ah, surtout quand ça pleure et que je sais qu'ils sont morts, c'est encore pire. Ah mon dieu. Oh putain, tout ce que j'aime, un spectacle de marionnettes. Chris, c'est pour toi. Chris, toi qui aimes les clowns et les marionnettes, c'est pour toi. Oh mon dieu, tout ce que je déteste, des choses inanimées qui bougent. Ça devrait pas exister, quoi. C'est pas normal, mon cerveau il comprend pas. Oula, 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 oula. Manifestation, manifestation ectoplasmique. Mettez vos doigts gras sur la porte. Quoi? Ah, Dead Space 2, putain, c'est clair, c'était énorme, Dead Space, quoi. Dead Space 2, Dead Space était énorme. Le 2 commençait sur les chapeaux de roue, c'était la folie. Et le 3, ça a été un gros jeu d'action bourrin. Alors, si tu veux, le cas de Dead Space est bizarre parce que tout commence dans un jeu d'horreur survie complètement dégueulasse où, en fait, à chaque rencontre, tu te dis « Putain, je vais mourir, je vais mourir !» Le deuxième jeu devenait un peu plus action, ce qui était normal parce que la psychologie du personnage avançait. Parce qu'il commence à connaître son univers, il commence à se défendre, il sait pourquoi il est là. Et le troisième, c'était carrément un jeu d'action bourrin avec de la coop. Et tu avançais, tu risquais plus rien, et voilà quoi. Mais je trouvais ça un peu dommage au final, parce qu'ils auraient dû changer de héros carrément. Parler de quelqu'un d'autre. C'était, comment il s'appelait déjà? Isaac Clarke? Ou un truc comme ça, je crois. Ou ça, c'est le mec qu'on a combattu hier soir dans Phasmophobia. These rooms are packed with rare and valuable volumes. Okay, she's in here with Egon. No noise. Putain, en tout cas, les environnements sont cool. Depuis tout à l'heure, on se balade dedans, quoi, mais... Ah, elle est là, elle est là. Oh boy. Ils l'ont trop bien refait, quoi. Ils ont des boucliers et tout, quoi. Un petit passage en vaisseau, tu fais une section réservée à l'école, tu fais attaquer, oui, oui, par des sortes de bébés que d'ailleurs à l'époque ça avait fait un tollé. Parce que les gens disaient, ah putain, c'est dégueulasse, il y a des bébés. Remember how you were saying Trent was dead? I wish. Now where'd she go? Valence is up. She definitely left a trace somewhere. Ouais, il me semble que c'est dans le premier. Il me semble que c'est dans le premier. Les gens ont trouvé ça, oh, mon dieu, super déplacé et tout. En quelle année il est sorti Dead Space 1 d'ailleurs?
2008 en 1835. Impeccable en 1835. Mais comment j'ai fait pour jouer à ce jeu alors? Mon dieu, serais-je un voyageur temporel? Je suis Ricola, je suis voyageur temporel. Pam pa la la. I didn't even know this area existed. Looks like the janitors didn't either. The last 80 years anyway. Mon dieu, vous avez la capacité de voyager dans le temps. Qu'allez-vous faire en premier? En premier, je vais aller manger un burger en 1644. Not much longer. Get a full scan. Mais vous voulez pas arrêter le parti nazi? Non, non, je veux juste aller manger un burger en 1834. Mais quel intérêt! Hein? Juste pour voir si le goût est le même. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ce que m'a toujours dit mon mamie. Pouah, l'ambiance à la phasmophobia là. Avec la petite musique en fond là. Putain, si en 1835 t'avais Dead Space 2, en 2020 tu as Ghostbuster. Putain, l'évolution quoi. Ouais, Chris, qu'est-ce que tu ferais toi? Si tu pouvais remonter le temps. Je pense qu'il tuerait tes parents, mec. Ah, est-ce qu'en 1835 les burgers existaient déjà? C'est la question. Mais je sais pas, c'est à toi qu'il faut poser la question, Pute. Vu où tu travailles, est-ce que McDonald's existait déjà? Non. J'ai vu le film sur McDonald's. Est-ce que tu as vu d'ailleurs le film sur McDonald's? Vu que c'est ta profession, est-ce que tu t'es bien renseigné là-dessus, quoi? Ah. Matt, tu peux me le jarter, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me jarter cette personne? Tu me le bannis, s'il te plaît. Mais direct, quoi. Au moins, c'est fait. Je me marierai avec un mafioso, quoi. Ah ouais, genre avec un Sicilien ou quoi? Wow, dig that. Genre à la Ray Liotta ou... Hey, I'll bet this is a trap. Welcome back, Ray. Allez, c'est reparti. Ah carrément, genre Capone, toi tu veux le chef, direct quoi. Putain, t'es bien une meuf alors quoi. C'est ça que vous aimez hein. Le pouvoir et l'argent quoi. C'est ce que j'arrête pas de répéter à ma femme, mais elle veut pas le comprendre quoi. Tu vois, tu t'es marié avec moi pour mon pognon. Je dis mon cul ouais. Ah GG le bannissement. Le marteau du gros lait encore frappé quoi. Putain, j'étais pas prêt à me faire agresser par des livres ce matin. Tu vois, quand je me suis réveillé, j'aurais pas pensé me faire agresser par des livres. Nos problèmes, frérot. C'est comme ça que ça marche ici dans la rue de Twitch. Tu me fais chier, je te bannis. C'est comme ça que ça marche. 1, 3, 6, 12, gros. Ouais. On the right. Moving. Et ouais. C'est la dure réalité de Twitch, gros. Des fois on bannit, des fois ça se passe bien, des fois je sais pas. C'est à la fin tu te retrouves à chanter Gangsta's Paradise. On va se faire tomber la bibliothèque sur la tête à force quoi. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là! Boum! Les potes avant les putes. Mais ça c'était le même, rappelle-toi, avec le Titanic qui coule.
Oh mon dieu, qui allons-nous sauver en premier? T'as le mec, genre le lycéen, quoi. D'université ou je sais pas quoi, là. Avec la casquette à l'envers et la bière. Il dit, ouais, les potes avant les putes. C'était énormissime, quoi. Ah putain, il s'est échappé. Enflure. Ne le lâchez pas, ne le lâchez pas, ne croisons pas les effluves. Putain, il est chiant, quoi. Allez, go, 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 go. Ouf. Il a failli s'échapper, hein. À moi. Alors, qu'est-ce que je peux acheter comme amélioration? 12 000, 11 000, 12 000. Ah, je vais acheter ça au fur et à mesure. Ding. Et voilà. Ah, c'est bien, il a récupéré son piège. Over there. Ah, elle est encore là. Oh boy. Creepy. En fait, c'est notre version de Pokémon, ce jeu. Putain, c'est clair. J'ai pensé pareil, moi aussi. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. Attrapez-les tous. J'aime bien l'ambiance qui se dégage du jeu. Franchement, ils ont bien bossé, quoi. Ça t'emmène directement sous la bibliothèque et tout. C'est terrible, quoi. Oh, c'est vraiment un très très bon jeu. Très linéaire, mais très bon jeu, quoi. Je suis très content de le faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, quoi. Déplacer les poutres avec les fûts de capture. Merde. Ouais, il fallait que je le fasse. Ok. Merde. Je me suis gouré de touche. Pas grave. Voilà, et encore une. C'est bon, on peut y aller. Ah, les égouts. Trop bien. Putain, il y a encore des livres là aussi. L'autre qui dit attention à l'eau pourrie, hein. Il y a des bactéries dévoreuses de chair, quoi. Trop bien. Trop trop bien. Tu crois que si je rétablis le courant, ça va le faire? Mais ça, par contre, tu vois, j'en doute absolument pas. Tu vois, en dessous de New York ou quoi, qu'il y ait des zones complètement inondées. Ça m'étonnerait pas, quoi. Attention, je remets le courant. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire moi aussi, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée de rétablir le courant avec de l'eau comme ça? C'est parti. Excellent, la zone. Attends, je vais essayer de le geler. Ok, ça ne marche pas. Ça, c'est bien. C'est bien quand tout se passe comme prévu. J'aurais aimé qu'on puisse faire des roulades, mais j'imagine qu'avec le jetpack, ce n'est pas possible. C'est vrai que c'est complètement con ce que je dis, parce que dans le film, déjà, ils ont extrêmement du mal à se mouvoir avec. C'est pour ça que quand ils tombent, il faut les relever. Parce que les mecs n'arrivent pas à se relever tout seuls, en fait. J'allais dire le jetpack. Le pack derrière est tellement lourd que... Ouais, moi, tu vois, t'as aussi le jetpack. Ça, c'est l'effet mandalorien, ça. Dès que t'as un truc dans le dos, tu appelles ça un jetpack. Les gars, aidez-moi, je suis par terre. Ok, merci. J'arrive, poteau, j'arrive. Ah, on spoilera pas, mais le début de l'épisode 2 hier du Mandalorian, la folie, quoi. C'était tellement énorme. Ne spoil, attention. Je vais bien. On peut avancer.
Alors, Piotr, sache qu'on a un Discord. Si tu souhaites rejoindre la communauté, venir parler avec nous ou quoi, t'es la bienvenue. Je le dis parce que des fois l'information est pas forcément bien affichée. Oh, du charbon ardent quoi. Trop bien. C'est trop bien. Par contre, il faut pas trop que je m'éloigne d'eux parce que. Je m'appelle pas grosso merdo, s'il te plaît. Comme il s'est fait dégager. Il a volé, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il a volé, quoi. C'était trop beau, quoi. Wow. Attends, je suis trop con. Faut que je les gèle. Ah ben non. Les geler, ça marche même pas. Non, ça marche pas. Y a que le rayon qui marche. Putain, j'ai pris cher. J'ai pris vraiment cher. Et voilà. Attracteur bidimensionnel de classe 6. Les golems peuvent plier les objets à leur volonté. Putain, la folie, quoi. La folie. Ah ouais, j'ai volé comme un homme. Before this gets really dangerous. We may have missed that window, Ray. Well, we can't follow her through that grate. Is there another way? Ah yes, c'est clip, la folie. Ah, par là. Comment on va faire là? Ah voilà, juste comme ça, c'est bon. What you find there, young blood? Good work. Spangler. The kid found the exit. I added something new to the pack. This is the PDS, Plasm Distribution System. Basically, it's Slime Blower Mark II, heavily modified. Ah, du slime. Your plasm banks are now integrated into the proton pack. It uses a base culture of ectoplasm that can impair entities, cause caustic black slime to go inert, and reveal otherwise invisible ethereal structures that reside on this plane. D'accord. Use the slime blower, just point and squirt. It'll help neutralize any active batches of black slime. It'll close any portals they're opening too. See? Neutralized slime. Ok, du slime. C'est une rivière de slime. Ça, c'est dans le 2, ça. Quand ils sont dans les égouts, que l'autre, après, il se fait passer pour un chef de chantier Bill Murray, quoi. Tu vois, j'ai mes hommes qui sont là. On nous fait faire 2 heures supplémentaires. Il fait trop bien, en plus, quoi. Ah. Oh putain. Elle prend cher. Par-dessus la troisième corde. Oh, il a déboîté quoi. Il l'a tué en tant que fantôme quoi. Putain, il a mis KO quoi. Ah. I wonder if this is where the collector killed the librarian. I think that would be a safe assumption. That book she's reading is emitting massive energy. That's your cue, killer. Go get him. Mamie, arrête tes conneries. Oh, sympa la reine. Boah, genre, il y a des portes comme ça sous New York et tout. Ah, j'aime bien la musique et tout là, terrible. Ouais, je pense que ça va chier, ouais. Ah, il y a son squelette, en fait. Ah, ça, par contre, c'est énorme. Il y a carrément son squelette et tout, quoi.
Bon, je sais pas comment on fait en fait. Bonjour. Ah d'accord, faut juste interagir. Les stations de cap sont de l'autre côté de la route. J'ai 3 km d'étude de gaz à tout, moi. Ouais. Exact. Energy is tied to the book. The Gozerian Codex, right? Now that we have it, her echo must have been released. She's gone. I think we helped her cross over. Ok, pourquoi il y a des signaux cultes par terre? Essaye de faire revenir les grands anciens. Bonjour, nous venons en ami. Faites-nous un signe. Pouvez-vous nous parler? Êtes-vous vieux? Êtes-vous jeune? À la phasmophobia, quoi. J'ai besoin d'une autre douche, il a dit. Ok, donc comment on sort de là, les gars? Je détecte rien. Je ne détecte rien. Eleonore Twitchy, parlez-nous. Faites-moi un signe. Où êtes-vous? Je suis dans la cuisine. Putain, hier soir, il m'a répondu, le fantôme. Avec la table de Ouija, j'étais mort de rire. Quel âge avez-vous? J'ai 57 ans, enculé. Bon, attends, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? C'est pas possible. Parce que là on peut pas sortir. Ah, des signes occultes. Oh, arrête. Comment je fais là? Comment je fais? Pourquoi il y a un feu là? Je peux pas éteindre le feu? Non, je peux pas éteindre le feu. Les gars, on fait quoi? Sors par la fenêtre. Il y a pas de fenêtre, abruti. Sors par la fenêtre, il m'a dit qu'il est con. Jette-toi, c'est plus rapide. Putain, les gars, vous m'aidez pas là. Là, vous m'aidez pas du tout. Pute, tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles de l'endroit, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être aller dans l'eau? Non, pas aller dans l'eau. Je sais plus. Ah, je me rappelle de ce qu'il faut faire. Vas-y, dis-moi, parce que je trouve pas du tout, là. J'ai dû zapper quelque chose ou... Je peux regarder, mais... Ah! Ben voilà, elle est là. Ah, ça y est, c'est parti. Ah, ça y est, je prends cher, d'entrée. Carrément, quoi. Il faut détruire les podiums, non? Ouais, voilà, détruire les étagères flottantes, je m'en doutais. Eh ben voilà. C'est bon, merci. Merci pour ton aide. Putain, c'est chaud à choper en plus, quoi. Ah, j'ai compris, Ray, t'inquiète. Ah, à l'aide, les gars, à l'aide. Merci. Putain, c'est chaud. Boum. Merde, raté. Allez, ça le fait, il en reste un, je crois. Merde. Mais non, elle va pas nous défoncer, t'inquiète. Ça va le faire. Ça va le faire. Ah! Putain, le dernier, il est chaud à choper. Il est chaud. C'est bon, c'est fait. Putain, elle est où? Là. Wouah! Elle est énorme. Excellent, quoi.
throw a capture stream on her. Oh. That's good. Throw out the trap. Je sais pas si le slime marche sur elle. On est en train de vivre un très bon moment de stream. Ah. Putain, me dis pas qu'on est tous morts. Le fantôme de la bibliothèque, messieurs dames. En chair et en os. Oui, non, non, elle a. Vas-y, envoie le piège. Hop. Allez, c'est parti, on l'attrape. Wouh, c'est dans la boîte. Et voilà, ça c'est fait. Yes. GG. Weird. That wasn't as tough as it should have been. I was just thinking the same thing. Non, c'était super facile. La classe. Like she wants us to have the codex. Yes, like she wanted us to blast this room apart. Comme si vous voulez qu'on démolisse la chambre. Oula, c'est quoi ça? From the 5th to the 4th. A whole world of ghosts. Something I've dreamt about since college. It's all in the Monarchia Demonium. Fantastic. Ghost world. Wouldn't get too excited, Ray. I have a feeling she did it so we can meet an old friend of hers. Well, if we're going. Not much choice, is there? It's the only way out. You, take the lead. Trois vaisseaux, aucun fair play. Hein. Ah ouais, c'est vrai que. Bon, bah, je crois que. On va devoir y aller. Cette musique. Oh, énorme. So this is what the public library looks like on the far side of a cross-dimensional portal. Ah yes. It's one of infinite potential configurations. You know, theoretically. Super yes, classe. Well, this looks like the Gozerian configuration. Watch out, black slime. Ce passage t'avais marqué, ouais. Bah ça a de la gueule, hein. Ça a de la gueule. Ah, pardon. Come on, let's go. C'est parti. All right, keep your head down and keep hitting these portals. One of them has got to lead out. The scientific method, Ray. Oh, ça va être bordélique là, je sais. Je le sens trop là. Bonjour. Faites-nous un signe. Oh putain, les gars, là je suis tout seul quoi. Ah, le jeu est vraiment très bon, mec, tu devrais le faire. Hein. Sincèrement, même maniabilité et tout, je le trouve bien quoi. Plein de clins d'œil, plein de détails. C'est du fan service, mais pur et dur quoi. Or, y en a que ça ferait hurler, qui dirait ouais, ils ont rien inventé, gna gna gna. Enfin, franchement, moi je trouve ça génial. Quoi. C'est le jeu, il fait ce qu'on lui demande, quoi. C'est très très bon, hein. Franchement, quoi. Très très bon produit marketing. Et en plus, qui donne quelques infos sur l'univers, en plus. Donc, c'est d'autant plus. Ah, et c'est d'autant plus sympatoche. Ah, dans la réalité ou ouais, un truc comme ça, ça doit être immense, effectivement, quoi. Putain, il veut pas crever. J'hallucine. Ah, ça y est. Hook. Ah, j'aime bien le plafond. Le plafond est cool. Allez, je passe celle-là. Impeccable. Impeccable. On va prendre celle-là. Je sais pas si j'en viens ou pas. Aucune idée. Aucune idée, messieurs, dames. Ah, ben. Raté. Prenons la porte de gauche. Ok. Prenons la porte de gauche. En haut. Ah. Je suis au deuxième étage, mes amis. Ça y est. Et il y a encore un gros lourdeau qui va venir m'emmerder. I'm loving it.
Impeccable. Putain, attends, il faut que je fasse attention à pas tomber. Ça doit être tellement immense dans la réalité. Non, non, on parle pas de toi, Matt. Déjà level 6, ça y est, c'est le début de la gloire. Eh oui, ça va vite, ça va vite. Tu verras quand tu seras level 650 comme Chris, et que tu t'apercevras qu'il n'y a rien à débloquer, tu te diras, mais putain, c'est trop bien, quoi. Tu te diras, mais c'est pas possible, ce stream est le meilleur des streams du monde. Je suis level 650, j'ai toujours rien débloqué, pouah, trop bien, quoi. Tic. Je l'ai attrapé sur mon Pokédex. Attrape-les tous, attrape-les tous. Attrape-les tous. Well, that was embarrassing. Tic. Looks like a good place for slime tether. Ouais, c'est parti, slime. Ah, cool. Attends, j'ai compris. Attends, comment je fais? Je fais comme ça. Ah, et après je l'attache, genre ici, c'est ça? Excellent, excellent. Hop, hop. Encore. Cool. Putain, il y a des fantômes partout, quoi. Trop bien. Il y a des fantômes qui apparaissent partout, quoi. Oula, ça, ça pue, ça. Tu peux éternuer pour faire des filets de mort. Ça, je m'en souvenais pas. Ouais. Ok, donc j'imagine qu'il va falloir faire ça comme ça, je sais pas. Ok, cool. Oh, c'est classe. Yeah. Yes, even this. All pointing back to a single point of origin. Elissa? Elissa. You think she's a factor in this? Maybe not intentionally, but almost definitely. D'accord, donc en fait, tout concorde, en fait. Hein. L'écriture gozerienne. Ah, il y a des sortes d'images aussi. Hein. Elle a même essayé de démarrer ma moto avec. Ah, il y a de la morph partout sur la Ducati. Aïe, là. Où est-ce que je suis là? Oh putain, j'allais dire je vois rien, mais. Ouf! Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin? Un adorateur. De classe 3, fantôme à piéger. Lors de fidèles gozériens de Chandor, vient du monde entier. Non, choisis ses sbires. Tiens, on est parti dans la forêt des quartiers les plus riches du monde. Ok. Ok, c'est parti. Ouf. Poudlard. Ouais, j'avoue que le bâtiment comme ça... Professeur Rogue. Est-ce que c'est vous? Monsieur Potter. Vous avez une minute de retard à mon cours. Je suis désolé, professeur Rogue. Ne me frappez pas. Pas encore. Je vais être obligé de vous gifler, monsieur Potter. Devant toute la classe. Non, monsieur.
Il suffit, Potter. Et bim. Et raté. Tiens, dans ta gueule de fantôme. Oh, cette musique. Vous avez tué ma chatte. Ça, c'est pas le clodo, là, qui vit avec eux. Le concierge. Où est ma chatte? Monsieur, j'ai retrouvé votre chatte. Ah, je le vois dans les miroirs, en fait. Tu vois le fantôme dans les miroirs, ça c'est... Ah putain, c'était sympa ça par contre. Hop, je jette mon piège. C'est... Regardez les miroirs, vous le voyez apparaître dedans normalement. Regarde, tu le vois dans les miroirs, il est là-bas. Bon, je vais récupérer mon piège parce que... Ah non. Crah, il joue avec moi, c'est pas bien ça. Ah, il m'énerve. Il joue avec moi, là, le fantôme. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Que je casse les miroirs, en fait, pour pouvoir le gruger. Arrête de bouger, connard de fantôme. Allez. Non, tu t'échapperas pas. Je suis un spécialiste. Et voilà, ça c'est fait. Vas-y, je casse tous les miroirs, je m'en branle, quoi. Moi, je suis un mec comme ça, moi. Ah. Oula, ça pue. Des livres. Closer. Est-ce vous le maître des clés? Ouais, c'est moi, ouais. Okay, I've tried this one twice already, so it's gotta be another one. Donnez-moi Sigourney Weaver. C'est bien moi le maître des clés. Oui. 7 ans de malheur pour un miroir cassé. Oui. Mais putain, je suis pas prêt d'avoir une vie correcte alors. Ah, c'est beau des livres qui volent. Ah ouais, on en est à 2 générations, là, c'est clair. Piou. Aïe. Beaucoup d'escaliers. Par contre, il n'y a pas de progression de puissance au niveau de l'arme. Même avec les quelques améliorations que tu achètes, je trouve que c'est dommage. À la fin, tu devrais pouvoir défoncer les fantômes, mais comme un fou furieux, quoi. Et au final, non, il n'y a pas vraiment de progression de puissance. C'est un petit peu ce que je reproche au jeu. Mais bon, on va pas pleurer non plus. Là. Dégage. Tu devrais avoir un tank à la fin. Non, pas jusque là. Ouais, un tank Ghostbuster, quoi. Avec le gyrophare sur le tank. Dans les rues de New York, c'est... Et something strange. Et Beau Wood. Poussez-vous. Mon Dieu, regardez, c'est les Ghostbusters. Oh mon Dieu, c'est leur tank. Il est trop beau. Je me suis fait rouler dessus hier, je suis trop content, ma voiture était écrasée. Bon, j'ai acheté un truc, j'ai même pas regardé. Oh putain. Ce fail. Je me suis pris un livre dans la gueule, quoi. Bah non, il y aurait plus de challenge à la fin. Est-ce que tu es capable de faire tout le jeu Ghostbusters et vidéo game avec un tank?
Tu vois, genre, tu descendrais dans la bibliothèque de New York avec le tank. Faites attention au livre, il nous attaque. Oh, rien à branler, je suis dans un tank. Hello, Schnaff. Ça va, mec? Alors? Ça va? Tu es level 650 maintenant? Ça roule? Merci pour les parties d'hier soir, c'était encore un véritable plaisir, quoi. C'est toujours un plaisir de jouer à Phasmophobia ensemble, quoi. Et de voir à quel point tu nous mets des trous en termes de level, quoi. Schnaff, mes amis, qui est un autre streamer, qui joue beaucoup à Phasmophobia en ce moment. Il y a des trucs d'horreur. Si vous passez sur sa chaîne, vous verrez. C'est un personnage très agréable et très sympathique. Voilà, au moins ça c'est fait. La pub est faite. Maintenant tu peux allonger le fric. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, monsieur. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'aime bien faire de la pub. J'aimerais bien faire de la pub pour Matt. Mais vu qu'il est gros et qu'il est laid, je peux pas faire sa pub. C'est la seule chose que je peux faire, en fait. Mais putain, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Après, je vais être obligé de faire de la pub pour Chris aussi, vu qu'il va streamer. Pouah, explosion de livres. Michael Bay explosion de livres. Boum, ça c'est fait. Yeah, de la bibine. Ouais, moi je n'accepte que les dons en bière. Voilà. Tu sais, j'ai l'impression d'être un clochard dans la rue avec un panneau où il y a écrit « Je n'accepte pas l'argent mais que les bières ». Ou alors tu sais, sur le panneau avec écrit « Pour boire ». Ça marche bien, ça. Tu vois le cerveau? Pense à boire de suite. Hop, bouteille d'eau. Promis, il n'y a pas de vodka dedans, quoi. À boire! Ça y est, c'est bon, j'ai bu. En fait, ce qui me pose problème, c'est qu'ils sont en train de me violer dans le coin, là. Et que je suis tout seul, quoi. Ah, je peux encore acheter une amélioration. On va se faire plaisir, on va débourser du fric. Tic, tic, tic. Que j'aime ce son de tirelire là. C'est tellement beau. Je ne capte rien. Oh bien. Une arène à l'envers. Tout ce que j'aime. Ce qui est en bas est en haut, ce qui est en haut est en bas. Impeccable. J'ai l'impression qu'il y a comme un problème dans cette pièce. Quelque chose de mystérieux. Ok, tout est à l'envers. Tu vas aller faire manger à tes gosses. Putain, il est déjà 11h47. Pouah. Eh ben, bonne bouffe. Bonne bouffe. J'hallucine, même moi j'hallucine là. Le temps passe si vite. Tant peut-être qu'à la fin de ce stream, j'aurai des gosses et j'aurai 70 ans, quoi. Tu vois, genre une faille spatio-temporelle quand tu joues à Ghostbusters. C'est peut-être ça la clé du jeu. Ouah, mais vous êtes déjà 5 spectateurs en moyenne sur le stream. Ah, vous me gâtez là ce matin. Vous me gâtez, quoi. Et c'est pas ironique, attention. C'est pas ironique. On dépasse rarement les 3, donc bravo. Voilà, je suis mort. Voilà, pour l'occasion, je vous ai offert une mort digne des plus grands héros. Ah, je recommence de là. Impeccable. Il faut que j'aille où, là? Par là. Non, par là. Hop.
C'est qui Hiro? Hiro quoi? Où c'est que tu as vu Hiro, toi? Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Ah, tu as dit que c'était ironique. Hiro, c'est qui? Putain, je vais encore crever, quoi. C'est ta faute, Schnaff. Depuis que tu es arrivé, je fais que mourir. Je veux pas mourir. Oula. Ok, il me faut du slime. Non. Oui. Voilà. Oh, putain, c'est dur. On sent qu'on approche de la fin du jeu. On y est là. Non. Reviens, plateforme. Viens ici, plateforme. Voilà. Oula. Non. Tu reviens ici, plateforme. Tu reviens. Attends, on n'a pas fini apparemment de ce que je vois. Voilà, c'est bon, c'est accroché. Elle est trop loin, non? Non, ça marche pas, c'est trop loin. Très intéressant. Alors, t'es encore loin d'être à la fin, si je me souviens bien, c'est vrai? Putain, alors là, tu me casses tout, là. Ah. Alors, attends, faut peut-être que je me rapproche. Et donc petit à petit je me rapproche, on est pas mal du tout. Ouais, il faut peut-être que je passe là en fait. Là ça va le faire là. Clac. C'est beaucoup trop loin. Ah, quoique c'est bon, ça passe. Ah non, la fin du jeu. Apparemment, tu me dis que j'ai encore un moment. Donc, écoute. Tant mieux, ouais, ça, au moins ça nous fait encore des aventures à vivre ensemble. On va dire ça comme ça. Je peux me rapprocher, non, de là? Ouais. Et après, ça prouve que c'est pas juste un petit jeu, enfin, ouais, un jeu commercial, bébête, genre à même pas 4 heures de durée de vie, quoi. D'accord, je suis encore loin, ok. Bon, tant mieux, au moins comme ça, je pourrais m'arrêter pour midi, là. Et je ferai une troisième partie ou quoi. Piou. I don't like what they've done with the place here. But I hope that portal would have taken us back to the library. Oh, ça sent le boss final là. In the public library. The dimensional membrane must be extremely thin here. Someone's holding us here. The collector. Yes, as it lore once. Et oui, parce qu'à la base on devait aller au musée et finalement on s'est retrouvé à la bibliothèque. Donc effectivement, il y a peut-être le chapitre encore du musée. Murdered Eleanor Twitty for it when he was alive and a dozen others just to cover it up. Hey collector, we're taking your book. What do you think about that? Okay, on va prendre cher. I think you got his attention, Ray. Oh boy. Oh, il casse tout. Allez, c'est parti. Azetlor. Azetlor, le collectionneur. C'est parti. Neutralize
crois que ça marchera pas comme ça. Wow ! Ce qui m'a mis, quoi, mais laisse tomber, quoi. Tiens, dans ta gueule. Oh. Putain, mais il est overpuissant, ce boss, quoi. Ah ouais, non, là, il faut que... Faut qu'on me risque... Eh ben voilà, tout le monde est mort. Impeccable. Nickel, impeccable. Je m'y attendais pas. Mais ouais, il est puissant. C'est bien un boss. C'est bien un boss, mes amis. Nous y sommes. Oh là 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 là. Oui, on l'a déjà vu. Merci. Les boss sont cool quand même, hein. Wow. Et voilà, il faut lui enlever le slime noir, je pense, sur le... Ah voilà. Et là, feu à volonté, quoi. Wow. Allez, relève-toi, relève-toi. Sois un homme. Oula, 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 la caméra. Oula. Ben, faut que j'aille les sauver, vite. Je stream cet après-midi, peut-être, mais peut-être plus ce soir à mon avis. Peut-être plus ce soir. Après là, si je stream dans l'après-midi, ça sera pas Ghostbuster à mon avis, ça sera sûrement autre chose. Avec de la musique pour me détendre un peu. Voilà. Tu vas retourner bosser là? Ça y est, c'est le rush de midi. On y est. Le temps de la guerre est arrivé. Wow. Ah, tu commences à 18h. Oula, d'accord, ok. Ce que j'allais dire. Mais tu m'avais pas dit que t'étais déjà au travail là? Après, du coup, vous avez personne à l'intérieur du resto, c'est ça? C'est vous donner que les commandes en comment ça s'appelle? Pas au guichet, quoi. Ah, oh, merde, j'ai pas eu le temps. J'arrive. Ah, excuse-moi, avec le jeu, tu vois, j'ai pas calé. Putain, mais je croyais qu'on pouvait courir dans ce jeu, quoi. Ah, c'est que le drive qui marche, d'accord. J'essaye de le tirer d'affaire, mais... Ah ouais, d'accord, il était sous le boss. J'aurais pas pu le voir. Ouais, c'est clair, bon courage, parce que putain, c'est la merde, quoi. Bon, allez, courage, on y est presque, là. Allez. Allez. Je le savais que c'était pour moi là. Je l'ai tellement vu arriver, quoi. J'ai dit, bon, hop. Vas-y, sauve-le, il est devant toi, quoi. Ouf. Oh oui, je vole. Je vole. C'est bon, je te soigne. T'inquiète. No stress.
Aïe. À l'aide. Viens m'aider. Putain, il m'a aidé de loin, quoi. La blague. Ah ben voilà, on est tous morts, non? Vas-y. Yes! Ça c'est fait. Tire dans l'œil. Tire-lui dans l'œil. Y'a pas la. L'histoire peut-être de Azetlor? Ah, mais je l'ai pas pris, merde! Je l'ai pas pris avec le. Le détecteur là. Ah putain, je suis deg. J'aurais dû le prendre. J'ai pas pensé. J'aurais eu son histoire. Cinématique. What the hell were you guys? I've been running all over this library, calling you, looking for you, nothing. We passed through a cross-dimensional portal into an alternate version of the New York Public Library and fought a 40-foot monster. Il dit ça normal quoi, tu sais. Steal an ancient magical book. Ah, OK. Oh, well. That makes it. Next time, leave a note. Ray, does this mean anything to you? Nope, it wasn't here the first time we came through. What is it? Not entirely sure, but whatever it is, I think we just turned it off. Ah, il doit rester deux fantômes puissants. No visible anchovy. Pizza sans right now, I need to go back to the lab and take a look at this codex. And analyze the data we've collected. It could help us when we go to the museum. Slice to go on the way. Rookie's treat. Troll en flure quoi, il me fait payer quoi. And we need to know what this is. I'll call for delivery again. Et voilà, messieurs dames. Nous revenons au QG, très content de ce qui s'est passé, c'était la folie, excellent chapitre sur la bibliothèque, très 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 content, du coup on va mettre revenir au menu principal, et je pense qu'on va se quitter là, et puis voilà quoi, comme je vous disais, ça a été terrible, en plus c'est bien, on a revu la bibliothécaire. Je m'attendais pas à ça, on connaît son nom, on sait comment elle a été tuée, chose qu'on on savait pas du tout dans le premier film. On a revu des personnages du premier film aussi, donc c'est rempli de fanservice. C'est un très très bon jeu, un petit peu trop linéaire, mais c'est un très bon jeu. Voilà. Bon les gens, on se retrouve plus tard, ou ce soir. Bon appétit à vous, il est 12h02, il y a un temps clair sur la France. Voilà. Profitez bien, faites attention à vous et à ce virus de merde. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao, bon app à vous.